Y'a les potes, c'est la cause, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Naruto Caillou, les cartes officielles chinoises où aujourd'hui on va ouvrir une display, la série 5 de One. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ce qu'on peut obtenir. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Il y aura encore du Naruto Caillou. Pensez à fracasser les pouces bleus et puis c'est parti. Dans la display qu'on va ouvrir aujourd'hui, du coup, on peut obtenir les cartes SSR du numéro 71 au numéro 120. Ça vous permet aussi de voir quelles cartes j'ai déjà dans ma collection. Quand vous voyez que c'est orangé, ça veut dire que je l'ai déjà dans mon classeur. Du coup, la numéro 120, c'est la Jiraiya. Au-dessus des SSR, on appelle ça des hits. Du coup, aujourd'hui, on peut obtenir des UR à partir de la numéro 65, du coup, la Oku que j'ai déjà, jusqu'à la numéro 104. Honnêtement, les UR sont très belles. La Sasuke, j'aimerais bien la voir. Après, il y a énormément de UR que j'aimerais bien. La 90, elle est très belle. Même la Sakura 85, pourquoi pas. Et la 104, ça va jusqu'à la Shikamaru version Boruto. Ensuite, il y a bien entendu les spécial portraits. Là, ça commence à devenir vraiment super rare. On peut obtenir la Sasuke Uchiwa numéro 51, Karin 52, Killer Bee 53 et Tenten 54. Honnêtement, si on arrive à avoir une des 4, ce serait incroyable. Après, on a bien entendu les OR. On peut avoir à partir de la 59 que j'ai déjà jusqu'à la 86. Et les OR, ce sont des cartes vraiment magnifique, j'espère qu'on va en dropper une. De toute façon, je crois que c'est une garantie par chaque display. Du coup, il y a moyen qu'on en chope une. Mais franchement, j'en aimerais beaucoup. Hein. J'aimerais bien le Shisui qui est juste au-dessus. Ensuite, vu que ça va jusqu'à la 86, honnêtement, il y a vraiment de très belles cartes. C'est compliqué de choisir. On verra bien ce qu'on obtient. Ensuite, on peut obtenir des AR, donc les Absolute Rares du numéro 37, la Kakashi, jusqu'à la 54. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des doublons. On peut avoir des doublons. Honnêtement, il y a de très belles AR. J'aimerais bien avoir la Hinata. J'aimerais bien avoir la première Kakashi. Mais bon, c'est assez compliqué. Je crois que j'en ai pas encore eu dans les vidéos. Et là, si on a vraiment, mais vraiment énormément de chance, on peut obtenir des MR, la numéro 43 jusqu'à la numéro 50. Les MR, ce sont toutes des cartes magnifiques. Pour le moment, ma préférée, c'est la Rin que j'avais eue au-dessus. Mais je crois que c'était pas en vidéo. Mais elle est vraiment incroyable. Et là, le top du top, si on arrive à choper des CR qu'on peut obtenir seulement dans les deux One, du coup, ça va jusqu'à la numéro 15. Et la 18, donc la Shikamaru jusqu'à Ino. Franchement, ce serait incroyable d'obtenir une CR. Pour le moment, j'en ai qu'une seule dans ma collection et c'était à travers un collector. Et pour terminer, ce qu'on peut obtenir dans cette display, bien entendu, qui dit 2-1 dit forcément ZR. Normalement, il y en a 2 ou 3 qui sont garantis par display. Et là, ça commence de la numéro 13, du coup, la Naruto jusqu'à la Kankuro, la numéro 24. Si on peut obtenir la Minato, la Kushina et la Jiraiya, alors ce serait vraiment masterclass. Perdons pas plus de temps, ouvrons la display. Donc on est parti pour le premier booster. Il y a 30 boosters étant donné que c'est une 2-1. La boîte, elle est magnifique. On va voir si on peut drop directement sur le premier booster. Donc, franchement, j'ai trop hâte. Ça fait longtemps que j'avais envie d'ouvrir. On va voir ce qu'on a. On commence avec les R. La deuxième, la troisième. Et normalement, c'est là. Non, c'est la dernière. Du coup, c'est celle-ci. Est-ce qu'on va avoir une carte? Et non, ce sera une R. On commence pas avec un SSR. Et on est parti pour le deuxième booster. La dernière fois, dès le deuxième booster, on a vu la petite Tsunade OR. Je vois pas qu'il ait un peu galère à ouvrir. Mais bon, on a cassé la légende. On va voir ce qu'il y a. Sasuke... C'est Marie, ok, la troisième carte, la quatrième, et là, non, ce sera encore une R. Bon, allez, troisième paquet, tant mieux qu'on n'ait pas de chance au début, je préfère, comme ça, on va avoir beaucoup de chance vers la fin, parce que normalement, il y a un nombre de cartes qui est déterminé. Ok, donc, on va prendre le booster, la Sakura pour commencer, Naruto, bon, pour le moment, c'est des R que j'ai déjà, la quatrième carte, et c'était déjà le hit, Orochimaru, je l'avais pas. Ok, bon, bah, c'est pas la dernière carte, ce sera comme ça. Je vais essayer de vous la montrer. Et c'est Orochimaru, mais c'était quand il était encore à Konoha avec le flashback de Tsunade et Jiraiya. La carte est magnifique. Bon, allez, quatrième booster. On sort un hit au-dessus de la rareté SSR, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Une petite Orochimaru qui est vraiment plutôt stylée, même si vous avez du mal à voir la couleur, là, c'est à cause des lights. Allez, on est parti. La deuxième, la troisième, et là, ça va être le hit s'il y en a un. Et c'est un hit, ça à l'envers, du coup, on sait pas. Encore une Orochimaru. Cette fois-ci, en SSR, il me semble que je l'avais pas. Est-ce que le focus, il va bien vouloir se faire? Attendez, je vais laisser la carte. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. Et derrière, bah, ça va être une R. Mais du coup, c'est le pack Orochimaru. Ok, cinquième booster. On va voir. Pour le moment, en 5 boosters, on a eu 2 drops. On a eu un hit au-dessus de la rareté SSR, donc en UR. Mais c'est du Orochimaru. C'est du Orochimaru. Du coup, on est parti. On va regarder. Première carte. Ok, pour la Sasuke. La Naruto que j'ai déjà. Et la quatrième, ce sera pas un hit du coup. Il n'y aura pas de hit dans celui-ci. Sixième booster, allez, on va voir ce qu'on peut avoir. Pour le moment, toujours les deux hits.
La boîte est magnifique, hein. Je vais essayer de garder un booster. Oh les gars, dedans il y a une BP. Dedans il y a une BP, non, on peut pas avoir de BP dans cette display, je rigole. On va regarder la première carte Yamato, je l'ai déjà. Kakashi du R, et là ça va être le hit normalement. Ok, c'est une SSR. Et c'est une petite SSR, attendez, je vais essayer de bien vous la montrer. Et ça c'est sûr et certain que je l'avais pas celle-ci, c'est la numéro 116, donc c'est sûr que je l'avais pas. Elle est très très belle avec les effets de lumière, j'aime beaucoup. Et ensuite, pour la dernière, bon, je l'ai déjà. 7ème booster. Pour le moment, on a du coup 3 SSR. C'est plutôt stylé. Allez, les paquets, ils sont bien fermés là. Allez, je vais essayer de l'ouvrir. Bon, il veut pas s'ouvrir, c'est bon. C'est bon, il a décidé de céder. Est-ce qu'il va avoir une CR dedans? Est-ce qu'il va avoir une CR? On commence avec la petite Sasuke. Ok, le guy, la deuxième carte. Et du coup, la quatrième. Il n'y aura pas de hit dans ce booster. Ce sera simplement une SR. 8ème booster. Allez, s'il te plaît là. Faut que ça revienne un petit peu de chance. Donc on est à 3 drops sur 8 boosters. Je vais essayer de l'ouvrir. Mais bon, allez, hop, c'est ouvert. On commencera du coup avec la petite Karine R. Ok, allez là, un petit peu de chance. Karine, ok. L'appareil photo il galère mais c'est bon. Troisième, et là c'est le hit s'il te plaît. SSR et Deidara, que je n'avais pas. Celle-là je l'ai vue il me semble dans le Google au début que je vous ai montré. Et je l'avais pas, elle est vraiment très très belle. De toute façon, les cartes Naruto Kaiu, elles sont incroyables. Et la dernière, comme d'habitude, c'est la petite R. Ok, le 9ème booster, allez là. Allez, 9 boosters, s'il te plaît, donne-nous un petit peu de chance. On n'a pas encore sorti la OR, on n'a pas encore sorti de ZR, donc il y a pas mal de choses à sortir. Ok, Shikamaru, Sasuke, là du coup, ça va être le hit. Et non, il n'y aura rien dans celle-ci. Par contre, je l'avais pas. Je l'avais pas, nouvelle SR. Et la dernière, c'est une R. Ok, 10ème booster, on se rapproche de la moitié parce que c'est une display où il y a quand même 30 boosters, donc c'est assez long. Mais c'est pas mal pour essayer d'avoir pas mal de hits, j'aime beaucoup. En plus, il y a le logo 20 ans de l'anime Naruto, donc c'est la display de l'an dernier. On va voir si on peut avoir quelque chose de plutôt bien. Ok, première R que je n'avais pas, la deuxième, et là du coup ça va être le hit, il y en a un. Et non, il n'y aura pas de hit, ce sera une petite SR. On est parti pour le 11ème booster, allez, un petit peu plus de chance, allez là. Allez là, après ça va, on a déjà eu la petite UR de Orochimaru, mais on veut plus. On veut la petite CR là. Ok, on commence avec Sakura, est-ce qu'elle peut nous porter chance? Encore une Sakura, la troisième Iruka, et pour le hit, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non, ce sera encore une SR, malheureusement, il n'y aura pas de hit. 12ème booster, et j'ai l'impression que tous les hits se sont cachés, mais ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de chance vers la fin, donc c'est plutôt positif. Allez là, on veut du booster lourd là. On veut quelque chose de bien. Le Naruto, il est stylé, je sais pas si je l'avais, mais pourquoi pas. Sakura en deuxième, Mizuki, et du coup, on a la ZR de Jiraiya. Elle est plutôt vraiment magnifique. Regardez, je la voulais en plus, c'est cette ZR que je voulais. Maintenant, si on peut choper à la Minato, etc. Vous avez vu qu'il y a Jiraiya en forme adulte derrière. Franchement, la carte, elle est très très belle, et du coup, là, derrière, ce serait une petite R. Je la mets de côté. 13ème booster, et au moins, on a eu la première ZR qui est garantie. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 dans cette display, on va voir dans tous les cas. On verra à la fin, mais je suis content d'avoir la Jiraiya. C'est l'une des ZR que je voulais le plus. Allez, on commence. La deuxième, ensuite la troisième. Et là, s'il y a quelque chose, ça va être maintenant. Et non, ce sera une petite SR aussi pour ce booster. 14ème booster, donc l'avant-dernier avant d'avoir fait la moitié. Pour le moment, ça va. Franchement, ça, c'est en train de s'équilibrer, mais j'ai hâte de voir quand même la deuxième partie de la display. Ok, donc c'est bien collé là, c'est bien fermé. Je vous le dis, je sens la 7R là. Je sens la CR dans le pack, elle veut pas sortir. Je galère à ouvrir, hein. C'est bon. Allez, on regarde Naruto R. Ok, on continue la deuxième. Et là, s'il y a quelque chose, ça va être maintenant. Et non, ce sera encore une SR et c'est celle de Sakura. Bon, c'est officiel. C'est la moitié de la display. On va voir si on va bien terminer la première partie de cette boîte. Et ensuite, on fera tous les 15 derniers directement pour voir si on peut choper quelque chose. Alors, hop, on le prend. Ok, la petite R de Gaara enfant, pourquoi pas. La deuxième, ok, c'est un booster spécial enfant. Et là, s'il y a quelque chose pour la fin, SSR. Et c'est Shikamaru, je crois que c'est l'une des seules que j'ai déjà. Je suis pas sûr et certain, mais je vais essayer de bien vous la montrer parce que je l'avais pas ouvert en vidéo. Et c'est... ah non, c'est numéro 108, du coup, puis peut-être je ne l'ai pas. En tout cas, elle est très très belle, celle de Shikamaru. Pour terminer, c'est la R. C'est bon, on entame la deuxième partie, c'est le 16ème booster. Et normalement, on va avoir plus de contenu, vu qu'il y a une sorte d'équilibrage. Donc, on va regarder ça. Allez. On commence avec une R, je ne sais plus si je l'avais, Mizuki, là s'il y a quelque chose ça va être maintenant, et ça a l'air d'être une R, donc non, c'est une SR, il n'y aura rien dedans. 17ème booster, allez là, il y a bien une petite 7R dans cette display là, une petite CR, allez c'est ouvert, donc j'ai hâte de voir là, j'espère qu'on aura la Minato, on commence, ok, la R,
Sasuke. Ok, là, s'il y a quelque chose, c'est maintenant. Il y a quelque chose, c'est une UR. Et c'est le Chusikage, je crois. Je sais plus c'est quoi son nom, mais bon. Je suis pas sûr de l'avoir, mais en même temps, je peux pas vous garantir si je l'aime. En tout cas, en marron, c'est plutôt rare. Et du coup, à la fin, ce sera la petite R. Mais je prends. Je vais la mettre à droite. On part pour le 18e. Donc là, on a quand même 2 UR. Ça fait plaisir. 2 UR, 1 ZR. Mais je vous mets la deuxième partie de la display à droite. Comme ça, on voit directement 15 et 15. Donc on commence avec la Sasuke. Ok, la deuxième. L'appareil photo est galère, le troisième. Et s'il y a quelque chose, c'est maintenant. Non, ce sera encore une petite SR. Et du coup, il n'y aura rien dedans. 19e booster. Allez là, on va essayer de le faire. On va voir si on va avoir plus de chance en première partie ou en deuxième partie. Mais techniquement, on est censé avoir plus de chance maintenant. La petite Sakura. Ok, Naruto, je l'ai déjà. Karin, comme d'habitude. Et là, s'il y a quelque chose, il y a quelque chose. ZR de Lee, donc c'est sûr que je l'avais pas vu que c'est le numéro de cette série. Elle est très très belle avec le Lee derrière. Franchement, j'aime beaucoup les ZR, c'est pour ça que je joue des 2-1. Et la dernière, ce sera une R. Le 20e booster, franchement, pour le moment, on va voir s'il y a 2 ZR ou 3 ZR minimum par display. Il veut pas s'ouvrir. Oh là là, je vous le dis, c'est la CR. C'est la CR. C'est la CR ou la MR. Allez, première carte. Deuxième carte, et du coup, ça va être la quatrième. Et je vois que c'est SSR et Conan, que je suis pas sûr. C'est un numéro combien, celle-ci, pour qu'on voit un petit peu? 114, donc peut-être que je ne l'avais pas. En tout cas, c'est plutôt joli avec l'effet rouge sur le côté à gauche de la carte, j'aime beaucoup. Et la dernière, comme d'habitude, c'est une petite R. 21e booster! Ça commence à faire long, mais bon, il y a peut-être encore une ZR, on peut encore avoir la CR, on peut encore avoir la MR. Franchement, on est encore très bien dans les taux de drop. Kakashi pour l'ouverture de ce booster. On va voir la deuxième Naruto. La troisième, et là il va avoir le hit s'il y en a un. Et non, ce sera une petite SR que j'ai déjà. Pareil pour la cinquième. Le booster numéro 22. Allez là, il faut que ça tombe là. Une petite CR, ce sera la deuxième de ma collection. Ou alors la MR, ce sera ma troisième ou quatrième. Non, il faut que ce soit du hit là. Normalement, il reste pas mal de hits. Donc on commence avec le Sasuke, la Sakura, donc c'est le duo. Le Naruto, c'est l'équipe 7. Et là, est-ce qu'il va avoir quelque chose? Et non, ce sera une petite SR de Choji. Et pareil pour la dernière, on s'en fiche. Le booster numéro 23. Allez, franchement, j'y crois encore là. J'y crois encore même si on se rapproche du numéro 30. Oh là là, c'est... franchement, ils sont bien collés. Hein. Ils sont bien collés. Hop, on va l'ouvrir. J'ai oublié le nom de ce perso, franchement. Ok, on commence. Le deuxième, c'est Neji. Le troisième, et là, il va avoir quelque chose. Oui, il y a quelque chose, et c'est quoi? SSR, et celle de Jiraiya. Par contre, là, je sais à 100% que je l'ai déjà, parce que c'est la numéro... Il me semble que c'est la numéro, ouais, 120. Donc, c'est la dernière carte SSR qu'on peut obtenir dans cette display, et je l'ai déjà. Donc, voilà pour la suite, et celle-là, bon, on l'a eu tout à l'heure. On part pour le 24e, on va voir ce qu'il y a dedans. Allez, là, on veut la troisième ZR, donc celle de Kushina ou de Minato. On veut encore une petite CR, comme ça, ce sera la deuxième de ma collection. Naruto enfant, Gaara enfant, ok. Et pour le quatrième, est-ce que ça va être quelque chose? Non, ce sera une petite SR du coup. Et pareil pour la cinquième. Allez, le numéro 25, ça veut dire qu'après, il en restera plus que 5. Et j'espère qu'on va avoir du lourd dans les 5 derniers boosters. On peut encore écrire l'histoire. Allez là, c'est la première fois que je prends cette display. Allez, s'il te plaît là. Ok, on va regarder. La R, Kankuro. Et là, normalement, s'il y a quelque chose, ça va être maintenant. Est-ce que c'est une carte à l'envers? Et non, ce sera une SR que je n'avais pas. Et du coup, on passe directement à la suite. Allez, plus que 4 boosters. C'est le 26e. On va voir ce qu'il y a dedans. Allez, là. Regardez, comparé à gauche et à droite, normalement, il nous reste encore des hits, vu que ça fait 15-15. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'il nous reste encore un petit peu de hits. On va l'ouvrir. On va commencer directement avec Sai en R. Ok, le deuxième. Le troisième, Kushina, porte-nous chance pour la quatrième carte. Est-ce que ce sera une carte à l'envers? Non, ce sera une petite SR. Du coup, c'est pareil pour un cinquième. Le booster numéro 27. Allez, s'il te plaît, cette display-là. Lâche-nous encore une ou deux dingueries, ce serait cool. De toute façon, il ne nous reste pas beaucoup de boosters. Hein, donc, ça va être maintenant ou jamais. Bon, jamais, il y aura encore quelques boosters. Allez, on commence. Booster Sasuke. Iruka, porte-nous chance. Sakura, est-ce que la quatrième, la carte sera à l'envers? Elle est à l'envers. Et c'est quoi? C'est une... Oh là là, c'est une MR et c'est celle de Kiba. Parce qu'on a reconnu du coup le chien. Oh la dinguerie, encore une MR. Mais c'est quoi ce revendeur? 3 displays chez lui, 3 MR. La carte est magnifique, je sais pas si vous la voyez bien. Mais en tout cas j'aime beaucoup et ça remplit ma collection petit à petit. Hein. Oh, ça va être dur de faire mieux. Hein. Et pour la dernière du coup on s'en fiche, ce sera une petite R. Le booster numéro 28, mais franchement après cette MR, ça va être difficile de retrouver le goût.
Ça va être difficile de retrouver le goût après cette MR, mais bon, on peut voir. Peut-être qu'on peut encore choper une petite SP ou quelque chose d'au-dessus, genre une CR. Allez, la première carte, la deuxième, et là, s'il y a quelque chose, ce sera maintenant. Est-ce que la carte elle est à l'envers? Non, donc forcément, il n'y a rien. Allez, les deux derniers boosters, le 29 et le 30e. Donc, il manque peut-être une ZR, peut-être une OR, je ne sais pas. Ou alors, on n'aura que deux ZR vu qu'on a eu la MR. Je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, on va bien le voir. De toute façon, allez, on commence avec une petite Temari R. Ok, ensuite une nouvelle R. Et puis là, s'il y a quelque chose, c'est maintenant. Allez, oh, c'est une carte à l'envers, c'est une SSR. Oh, celle de Idan. Mais je suis pas sûr de la voir celle-ci, mais elle est plutôt belle, hein. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'aime beaucoup. Et du coup, il va nous rester un booster. Et le tout dernier booster, allez, s'il te plaît. Hein. Moi, je crois encore en ACR, même si on a déjà eu la MR. Déjà, si on a quelque chose, je serais content. Je serais content si on a quelque chose. Tant que c'est pas un booster vide, franchement, ça m'est très bien. Et puis, dans tous les cas, 3 displays chez ce revendeur, 3 MR. Donc, je suis très, très content. Sakura, ensuite, là, c'est la deuxième, la troisième. Et c'est le moment ou jamais. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? On a quelque chose et ça a l'air d'être une OR. C'est une OR, du coup, on ne l'avait pas encore eu. C'est le premier, c'est un démon à queue. C'est Urataka, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais la carte est très belle. Je vais essayer de vous montrer les effets goldés. Parce que du coup, c'est vrai que c'était une OR garantie. Hein, parce que là, c'était le dernier booster. Il nous fallait la OR. Et franchement, la carte est magnifique. Donc, on commence le récap avec les SSR. Idan qui est plutôt jolie. Ensuite, je vais vous montrer celle d'en dessous. Donc, celle-là, c'est l'une de mes préférées hits de SSR. Donc, on passe à la troisième. Orochimaru qui sort du serpent. Il faut savoir qu'un hit sur Naruto Kaiu, ça correspond au-dessus du SSR. Idan, donc qui est plutôt belle. Ok. Maintenant, la cinquième, Jiraiya. Doublon, mais que j'aime beaucoup. En sixième, on a la Konan. Et pour terminer, il me semble que c'était la Shikamaru. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des hits. Ce sont au-dessus des SSR. On commence avec cette petite UR qui est très très belle. Et la deuxième hit, le deuxième hit plutôt, c'est la Orochimaru, on va dire jeune avec son serpent et sa tenue. Et les ZR qui sont des exclus à cette série 5 de One. On commence avec celle de Lee, que je trouve plutôt jolie, mais bon, ma favorite forcément, c'est celle de Jiraiya. Et en fait, il n'y a que deux ZR, donc la dernière fois, on a eu plutôt de la chance. Maintenant, on saura. Ensuite, la OR qui est arrivée tardivement, mais elle est vraiment très très belle. Donc, on sait que c'est une OR garantie par display. La carte est magnifique, hein, comme toutes les cartes OR, ça fait partie de mes favorites. Mais il reste aussi la dernière, la petite MR de Kiba. Vous l'avez vu tout à l'heure, mais elle est vraiment magnifique. 3 displays, 3 fois des MR, c'est vraiment un record. Hein. Maintenant, j'ai confiance 100% à ce revendeur, ça me fait super plaisir. En attendant, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y aura encore du Naruto Kaiu. Je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, les potes. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want